Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire qui aura pour sujet comme thématique les solutions permettant d'aborder les projets de mobilité, que ce soit des solutions d'optimisation One ou des solutions de file sync and share. Je suis accompagné aujourd'hui de Jean-François Aliotti. Bonjour Jean-François, Bonjour. qui va nous présenter ces différentes solutions. Donc, comme vous l'avez proposé, Thomas, effectivement, l'idée de ce webinaire, c'est de voir un petit peu les solutions qui peuvent exister dans le monde IT autour de la mobilité en termes général et de l'accès aux applications à partir des différents sites distants. Dans un premier temps, on avait parlé de la mobilité, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça couvre exactement. Et après, nous passerons à l'aspect site distant et les solutions de file sync and share qu'on a à notre catalogue. Le smartphone devient un outil pro, ben oui, je crois que tout le monde l'a constaté, c'est-à-dire dans le monde du travail, le smartphone commence à avoir son utilité, les gens souhaitent avoir un accès directement sur leur smartphone, que ce soit un iPhone ou que ce soit un Android ou un Windows Phone, pour pouvoir partager un certain nombre de documents, accéder à différents fichiers qui sont au sein de l'entreprise, et que l'on souhaite effectivement consulter, voire même modifier pour certains, à travers cet outil et ce device. C'est vrai que c'est devenu une réalité aujourd'hui, hein, depuis, je dirais, un petit peu plus d'un an maintenant. Enfin, on a véritablement une explosion, enfin, des smartphones ou des tablettes, hein, au sein de la société. Et on voit, nous, en réunion, hein, souvent les clients, plutôt que d'avoir leur PC portable avec eux, ils ont juste leur tablette pour pouvoir prendre des notes, hein, et c'est vrai qu'en termes d'usage, hein, c'est quand même au quotidien plus simple, hein, à transporter qu'un ordinateur. Alors effectivement, pourquoi l'utilisateur aime le cloud? Parce que tout le monde a entendu parler du cloud, on en a beaucoup parlé il y a 2-3 ans, ça devient une réalité pour un certain nombre d'utilisateurs, afin de permettre d'utiliser effectivement cet outil qui est pour le moins simple. Je crois que c'est effectivement la première chose qu'on peut dire sur cet outil. Il est simple d'accès, c'est facile d'avoir un accès finalement extérieur. La plupart du temps dans les services informatiques, c'est pas forcément internalisé. C'est bien dommage d'ailleurs, et ça permet de partager un certain nombre de fichiers qui doivent être plus ou moins volumineux et de manière toujours simple. Je crois que c'est maître mot, c'est la simplicité. La simplicité, toujours dans son utilisation, c'est quand même assez intuitif. C'est l'utilisation, tout le monde a déjà vu une solution de style Dropbox ou OneDrive. Effectivement, c'est simple, c'est rapide. Et puis, on se pose pas trop de questions. Les documents sont bien partagés entre les différents devices que peuvent être effectivement des smartphones, des tablettes, des PC ou des portables. C'est vrai que pour ça, ce qui est génial, c'est que on travaille sur son PC, on stocke ses informations dans son OneDrive ou dans son Dropbox, et quand on repart et qu'on a besoin d'accéder à ce document depuis la tablette ou depuis le smartphone, Voilà. on peut y accéder. On peut y accéder, on ne se pose pas de questions, de savoir effectivement, il faut que j'initialise une communication VPN pour aller chercher ce document dans mon entreprise ou pas. Par contre, bon, on se pose pas la question non plus de l'endroit où il est stocké, ni de la sécurité de l'endroit où il est stocké. Non, peut-être qu'on devrait effectivement se la poser un peu plus souvent. On le verra tout à l'heure sur un slide où effectivement on a repris certains petits articles qu'on a trouvés dans la presse et qu'on continue à voir de manière assez régulière sur un petit peu les inconvénients et les risques associés au cloud de manière publique. Mais effectivement, sinon, on peut y accéder à partir des différents formats et devices que l'on a. Alors ça fonctionne effectivement pour les employés à distance. C'est vraiment le plus effectivement du produit, et ça ne requiert pas de connexion VPN, contrairement à un certain nombre d'autres usages habituels où on était obligé d'initialiser une connexion VPN sur son portable. Là, on dit que ça ne nécessite pas une connexion VPN parce que le chiffrement des communications est nativement intégré en fait dans Tout la à fait, dans la solution. solution. Par contre, effectivement, ça apporte un certain nombre d'inconvénients. Les inconvénients majeurs, c'est les risques, hein, parce qu'on a très peu de visibilité, aussi bien en termes de permissions, c'est-à-dire ces fichiers, bon, ils sont mis quelque part. Les permissions que l'on a dans l'entreprise sur les différents accès aux fichiers ne sont pas du tout respectées. En termes d'audit, c'est-à-dire qui accède à quoi, finalement, il n'y a aucune traçabilité, et sur la vie, effectivement, des données. Et bien entendu, ces données, ils sont à l'extérieur.
Des solutions comme Dropbox, et Dropbox qui est propriétaire des documents et non pas l'utilisateur qui en fait usage. Donc effectivement, on a un petit peu tendance à avoir banalisé toutes ces solutions qu'on utilisait de manière privative, qui sont effectivement, ma foi, très, très intéressantes dans le monde privé, mais qui ne correspondent pas forcément à l'usage qu'on devrait en avoir dans la société. C'est quand même sur une infrastructure séparée, donc on la maîtrise pas du tout, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas. La structure habituelle qu'on retrouve dans une société sur les différentes arborescences, sur les permissions, il n'y en a pas. C'est un petit peu comme, voilà, c'est Claude, c'est-à-dire ça s'en va à l'extérieur, on ne sait pas comment c'est géré et où c'est surtout. Ça veut dire qu'en fait, on perd un petit peu tout l'historique que l'on a pu accumuler autour de la donnée en termes d'accès, en termes d'organisation. Tout à fait. Il va falloir recréer en fait toute cette partie-là dans le Voilà. cloud sans possibilité de le synchroniser avec l'existant. Sans possibilité de synchroniser avec l'existant, parce qu'effectivement, quand on met dans le cloud, on partage un document, alors on peut partager à un certain nombre de personnes, bien entendu, mais néanmoins, ça peut être d'ailleurs la société, en dehors de la société. On a tendance des fois, avec la simplicité, à partager plus facilement un document vers l'extérieur avec des gens qui n'ont pas forcément toujours lieu d'être et d'avoir accès à ce fichier. Donc il y a une certaine effectivement confusion un petit peu. Chacun va pouvoir utiliser, va mettre à différents endroits. C'est un petit peu aussi ce qui se passe. C'est-à-dire c'est dans le cloud, mais c'est pas qu'un endroit en fait. Chacun peut avoir différentes versions. Et puis quel est vraiment le document sur lequel on doit travailler? On ne le sait pas. C'est un petit peu l'inconnu du cloud, du moins du cloud public. Bon, tout le monde a entendu parler un petit peu des soucis qu'on peut rencontrer avec les différentes solutions. Bon, on cite Dropbox parce qu'effectivement, c'est quand même la solution qui est la plus répandue, y compris dans les sociétés. C'est-à-dire que c'est simple d'acheter du Dropbox, hein, c'est une carte bleue. On achète de l'espace et puis l'IT n'est pas au courant, mais surtout les autres services ne sont pas au courant. Et puis chacun achète un petit peu de l'espace sur Dropbox, sur OneDrive, en fonction des besoins. Donc c'est quand même de la fuite des données, hein. Dropbox, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est... Les données leur appartiennent, donc c'est peut-être un petit peu dommage quand même de voir toutes ces choses-là en dehors du sein de l'entreprise. Il faudrait peut-être que l'IT reprenne un peu la main à ce niveau-là. Qui plus est, il y a aussi les aspects de localisation, hein, des données. On peut se poser la question de savoir où se trouvent réellement ces données. Il y a beaucoup de sociétés françaises qui veulent bien aller dans le cloud, mais tant que le cloud est en Europe, toutes les sociétés style Amazon, Dropbox ne vous garantissent pas du tout que le cloud dans lequel vous mettez vos données sont effectivement localisés en Europe. On ne dit pas la France, mais au moins en Europe. Alors, si on reprend un petit peu les attentes des utilisateurs, parce que néanmoins, les utilisateurs sont là, ils ont des attentes, ils ont maintenant l'usage d'un certain nombre de choses, hein, dans le C'est ça, cloud. c'est pas dans le but d'embêter l'informatique Non, qu'ils vont chercher un non, Dropbox ou non, un OneDrive. non. Je pense qu'ils vont le chercher parce que l'informatique leur a peut-être pas donné effectivement la possibilité. L'informatique, l'IT, un petit peu traditionnelle, ne leur a peut-être pas donné non plus la souplesse de pouvoir effectivement accéder assez rapidement à des volumes précis. C'est vrai que il y a quelques années, quand on voulait effectivement une place de stockage, il y avait un circuit à respecter qui pouvait prendre quelques semaines, et c'est peut-être aussi ça qui fait que les utilisateurs sont partis vers ce type de solution qu'ils ont trouvé simple, rapide à mettre en place. Donc effectivement, il faut peut-être se poser la question. Le Dropbox est là, alors quand on est Dropbox et les Dropbox Lite, il faut peut-être le remplacer et que l'IT donne effectivement une possibilité de solutions identiques. La portabilité des données, c'est pareil, hein. Il faut que les données soient accessibles de différents formats. C'est ce qui intéresse aussi les utilisateurs. On l'a dit tout à l'heure, le smartphone, la tablette. Alors peut-être plus la tablette en tant qu'outil de travail, mais aussi le smartphone. Voilà, il faut qu'il soit effectivement accessible. Les documents doivent être accessibles de ces différents devices. L'envoi de fichiers volumineux, c'est vrai que de temps en temps, à Outlook, c'est un petit peu dommage de pouvoir envoyer un fichier qui reste conséquent. Des liens peuvent être intéressants et un certain nombre de solutions donnent des possibilités d'envoyer des fichiers par lien et qui sont effectivement localisés sur l'information. C'est vrai que quand on y pense, on est sur des réseaux aujourd'hui à 10 gigabits, à 40 gigabits, voire même aujourd'hui avec l'arrivée du 100 gigabits. Et pourtant, on reste bien souvent limité à l'envoi d'une pièce jointe de 10 mégaoctets Tout à fait. par email, enfin, ce qui est quand même très, très contraignant. Voilà. Un autre aspect dont on n'a pas tellement parlé jusqu'à présent, on a parlé un petit peu de sécurité, mais l'attente de l'utilisateur, c'est quand même que ces données soient sauvegardées. C'est quand même ce dont il a besoin. Et effectivement, c'est peut-être un peu le problème quand on est dans le cloud, parce qu'il n'y a pas vraiment de garantie. Certaines solutions, même y compris des solutions SaaS, hein, de type, par exemple, Office 365, ne vous garantissent pas un accès des données archivées de manière très très longue, sauf un abonnement particulier. Donc c'est un aspect important, je pense, c'est la sauvegarde des données et c'est peut-être un aspect qui permet
de présenter une solution un peu plus intéressante sur un cloud privé que sur un cloud public. Et puis effectivement, il y a l'accès à tous les référentiels de l'entreprise et tout simplement les applications. Donc les challenges IT, il faut bien qu'ils répondent effectivement aux besoins de l'utilisateur. Donc il peut plus les ignorer, hein, parce que tout le monde a effectivement acheté soit de l'Amazon, soit du Dropbox, et l'IT doit réagir pour pouvoir effectivement en même temps pérenniser un certain nombre de choses, puisque l'IT, il y a des investissements qui sont faits, c'est des budgets qui sont communs. Il y a des investissements importants liés au stockage des données. Il y a aussi un service cloud à ajouter, effectivement, qui permettrait de remplacer toutes les solutions cloud actuelles. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout internaliser, mais il y a un certain nombre de choses qui devraient être internalisées avec un coût plus restreint, puisque c'est ce qui intéresse tout le monde, aussi bien l'utilisateur d'ailleurs que l'IT, c'est de réduire un petit peu ses budgets. Et puis, sans oublier qu'il faut quand même assurer une protection des données, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les solutions qui sont faites dans le cloud public. Ou alors, il faut payer un surcoût, et dans un premier temps, on ne les a pas. Donc, tout le challenge de l'IT, c'est de proposer finalement aux utilisateurs d'avoir cette mobilité. Elle est là, elle est effective. Donc, d'y répondre tout en internalisant un certain nombre de choses. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'était l'accès aux applications anywhere. Alors on dit anywhere effectivement, puisqu'il y a un certain nombre de choses qu'on aimerait faire, quel que soit l'endroit où on est localisé. La manière classique d'adresser la mobilité, c'est quoi? C'est on veut avoir accès à des applications. Alors peut-être pas toutes les applications sur un smart mode, mais sur un iPad ou sur une tablette, on peut le souhaiter, via un certain nombre de protocoles réseau, peut-être pas tous, mais via un certain nombre de protocoles réseau. Comment on y répond? Il y a des problèmes, il y a un challenge, hein, c'est les performances avec les accès VPN. Parce que le VPN, c'est une connexion qui se fait de chez soi. Donc on utilise effectivement la liaison que l'on a, par exemple, de chez soi, ou d'une agence qui utilise une box de type Free ou autre, hein, sans donner de marque associée. La solution traditionnelle des réponses, c'est on a un PC qui est portable, ou alors un petit PC, tout simplement. On a un accès VPN, et ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, c'est optimiser effectivement le réseau pour les postes nomades, mais aussi pour les postes classiques. Donc dans ce cadre-là, on va vous présenter une solution qui s'appelle Reverbed. Je pense que c'est une solution qui est assez connue dans ce monde-là. Il en existe d'autres, mais Reverbed est le leader aujourd'hui dans ce domaine, est un leader depuis quelques années, et le reste, parce qu'il a des solutions assez innovantes. Alors dans ce slide d'architecture, il est un petit peu dense. On souhaitait un petit peu montrer les différentes solutions qu'on a sur Reverbed. Donc Reverbed, c'est l'accélération réseau. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a un site central, informatique, plus quelques agences ou quelques sites déportés sur lesquels, effectivement, souvent, qu'est-ce qui se passe? On a une informatique locale avec un petit PC qui fait les services de fichiers. On a aussi des solutions de type AD, donc des petits serveurs qui font l'infrastructure. Reverbell, l'intérêt, c'est d'accélérer, effectivement, le transfert des données entre les différents sites. Donc, pour ça, on a des boîtiers qui s'appellent des boîtiers Stylen. On en met un central et puis on en met un sur chaque agence, par exemple, pour pouvoir effectivement accélérer les choses. On a une possibilité des clouds, alors qui reste limitée, mais qui est un cloud chez Akamai, qui est actuellement sur deux solutions, Salesforce et Office 365. Donc on peut effectivement, comme ça, accéder aux données à travers ces solutions. On a d'autres solutions au niveau du monde du Riverbed. Une dont on va parler particulièrement, c'est le Stylen Mobile, avec un Stylen Mobile Controller, qui permet de dire: on ne gère pas simplement les postes distants, mais on peut effectivement avoir sur chacun des PC, soit les petites agences qui l'ont sur le PC, soit tout simplement des gens qui sont nomades, et on installe un client, un agent local, qui permet d'émuler ce que ferait le boîtier Reverbed. Alors, les principes d'accélération avec Reverbed, il y a trois grands principes, hein, pour comment finalement on arrive à accélérer tout ce qui va passer entre un site distant et le site principal, sachant que tout le monde n'a pas des liaisons à 1 giga entre leur site distant et le site principal. C'est la première, c'est la compression et la déduplication. Reverbed utilise des protocoles de compression et de déduplication qui fait que entre deux boîtiers Reverbed, par exemple un boîtier qui se trouve sur le site central et un boîtier qui se trouve sur le site distant, ne seront transférés que les données en termes de blocs qui ne sont pas déjà connues de l'un et l'autre des boîtiers. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, quand un utilisateur se connectera le matin, s'il accède à un nouveau fichier, il y aura ce transfert de fichiers qui utilisera et qui bénéficiera déjà des blocs compressés et dédupliqués.
Donc, ce qui permettra d'avoir effectivement un accès beaucoup plus rapide. La première personne téléchargera ce fichier, finalement. Je parle de téléchargement, c'est pas tout à fait le bon terme, mais du moins, on aura effectivement ce fichier qui sera maintenant présent sur le boîtier distant et tous les utilisateurs qui veulent accéder à ce fichier en bénéficieront. Un deuxième bénéfice, c'est l'accélération TCP/IP, enfin TCP tout simplement, puisque Reverbed effectivement initialise ses sessions TCP/IP et ne fait le transfert des données qu'une fois qu'effectivement le protocole a été admis entre les deux boîtiers, ce qui permet d'éviter plusieurs allers-retours entre le client et le serveur. Troisième principe, c'est l'accélération applicative. Il y a un certain nombre d'applications, style par exemple Exchange, Citrix, qui sont accélérées effectivement et qui bénéficient de modèles d'accélération particuliers. On l'a dit aussi, on a parlé de Stilhead Mobile, donc on va en parler un petit peu plus longuement dans le slide suivant. C'est l'accès pour les nomades. Alors quand je dis nomades, ça peut être effectivement des postes utilisateurs de type PC de bureau, tout simplement, les petits bureaux distants, puisque cette solution, on l'a vu à chaque fois, on a nécessité d'avoir un Stilhead Appliance sur le site central, plus pour les bureaux distants, un Stilhead Appliance. Quand c'est des petits bureaux, on peut tout simplement utiliser finalement le Stilhead mobile sur les portables, mais aussi sur les petits PC, ce qui évitera d'avoir un Stilhead local. Comment ça se passe? Ben, c'est tout simplement, on rajoute ce qu'on appelle un Stilhead Mobile Controller qui va être là pour gérer essentiellement le licensing finalement. C'est-à-dire qu'il va pouvoir utiliser, on en parlera du licensing, mais le licensing que l'on utilise, on peut avoir 200 utilisateurs, c'est 200 licences simultanées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement plus d'utilisateurs qui vont l'utiliser, mais en simultané, par exemple, on aura 200. Donc, il y a un package MSI qui va être déployé sur les différents postes, donc nomades ou PC sur lesquels on veut utiliser la solution. Une fois connecté, ben, tout ce qui va être Stilhead Mobile va pouvoir effectivement télécharger sa politique d'optimisation et un jeton pour l'aspect licensing associé. Et puis après, ben, le Stilhead Mobile émulera finalement une appliance Stilhead pour pouvoir effectivement faire le dialogue entre l'appliance de Stilhead qui est en centrale et le poste qui est localisé. Alors, ce qui peut être intéressant aussi sur certains sites distants, par exemple, quelqu'un qui est nomade la plupart du temps revient sur un site distant une fois par semaine, il bénéficiera de l'optimisation qu'il a sur son poste, mais aussi du boîtier Stilhead s'il y a un boîtier Stilhead qui est directement localisé sur son site, ce qui lui permettra d'être à jour beaucoup plus rapidement et ce qui lui permettra aussi, la mise à jour est en double. Hein, peut dire ainsi, c'est-à-dire qu'elle se fera en même temps sur son cache local, qui émule le Stilhead, et en même temps sur le Stilhead. Ce qui veut dire que quand il repartira, il bénéficiera aussi de tout ce qu'il a fait dans la journée et ce ne sera pas perdu. En fait, quand le nomade revient à un bureau, le Stilhead Mobile Agent, entre guillemets, détecte tout seul le boîtier Riverbed local. Il va laisser le boîtier Riverbed local optimisé, Optimiser. mais il va continuer à apprendre les blocs Pour mettre à jour. d'information pour mettre à jour tous ses index. Comme ça, quand il repart à l'extérieur du bureau, il repart avec les index encore frais, quoi. Voilà, ce qui veut dire que c'est en double fonction, c'est-à-dire qu'il bénéficie effectivement du cache qui va se passer sur le local. Donc Riverbed, c'est la solution qu'il vous faut et qui répond à quel cas? En fait, pour l'utilisateur, ça maintient des performances ou de l'accélération, et c'est pas un vain mot, ça a vraiment des performances et une accélération réseau qui est très intéressante, y compris sur des petits réseaux. Bon, et ça lui permet de travailler soit en nomade, soit en interne. Pour l'IT, ben, ça a aussi des avantages, mais tout le monde est gagnant, puisqu'on supprime un certain nombre d'équipements qui sont pas toujours faciles à administrer sur les sites distants. Je parle de PC, effectivement, qui sont souvent un petit peu âgés, qu'on hésite à changer. Le stockage et le backup sont centralisés. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça évite d'avoir une solution de backup sur laquelle on agence. Ben, il y a un petit disque USB ou il y a une petite robotique qui est là ou un petit lecteur et puis que les gens oublient de changer la cartouche pour pouvoir faire la sauvegarde de manière régulière. Et puis ça apporte quand même une grande sécurité et une maîtrise des données puisque tout de toute façon est centralisé à ce niveau-là. C'est ça, en fait, ça permet au final de pouvoir centraliser en théorie la totalité des données dans le data center. Hein, et du coup, avec ce silo, hein, de données dans le data center, on va pouvoir plus facilement tout sauvegarder, tout sécuriser et tout maîtriser. Par contre, hein, si jamais l'utilisateur conserve des données sur son ordinateur portable, hein, à moins d'avoir un logiciel de backup sur le poste client, hein, mais sinon, ça ne backupera pas les données de Non, son poste. ça ne va pas la donner son pas de
Alors, c'est une solution qui est assez intéressante, qui est assez bluffante. Souvent, ce qui se passe, c'est que nous, on fait des POC. On fait des POC avec cette solution, ne serait-ce que pour pouvoir valider qu'effectivement, les applications, on parlait tout à l'heure qu'il y avait une accélération des applications, donc une accélération applicative. Donc, c'est assez intéressant de voir effectivement ce qu'on peut réaliser avec ce type de boîtier. C'est des POC qui sont pas trop difficiles à mettre en œuvre, qui sont pas trop intrusifs et qui permettent de valider avant tout achat et de voir si la solution répond bien aux besoins. On parle de quelles applications? HTTP, Alors, on parle d'applications HTTP. Pour le web, c'est effectivement très, très intéressant. On parle d'applications de type Exchange. Après, c'est Citrix aussi, c'est une bonne référence. Des choses plus simples, sans parler d'applications, mais tout simplement l'accélération pour l'impression. Ça évite, effectivement, parce que c'est quand même assez coûteux, les impressions, de faire des allers-retours. Mais Donc, pour pourtant, ce les genre de solution. impressions, c'est pas très, enfin, c'est pas ultra standardisé comme protocole réseau. C'est vrai, c'est Mais vrai. malgré tout, ça sait quand Mais même très bien les optimiser. malgré tout, ça c'est bien les optimiser. Alors maintenant, on va parler un petit peu des solutions qui sont plus effectivement de partage de fichiers, bien qu'on le verra, Cetera va un petit peu plus loin. C'est-à-dire là, je vais vous parler d'abord de Data Anywhere, qui est vraiment du file sync and share pur et dur. Cetera lui fait du file sync and share et pourrait de temps en temps effectivement remplacer, pourquoi pas, des boîtiers Riverbed dans certains cas. Alors effectivement, bon, actuellement c'est le modèle public, hein, donc on reprend un petit peu ce qu'on constate. Alors, je mets Dropbox, mais on pourrait dire Dropbox-like. Enfin, tout le monde, au moins c'est parlant, tout le monde connaît Dropbox. C'est les services FTP, combien de gens effectivement font des partages de fichiers en passant par un serveur de fichiers, Ce qui n'est tout pas bêtement. forcément le plus Ce user-friendly, qui n'est pas forcément mais... tout le user friendly, effectivement. Bon, hein, on s'habitue, et puis surtout c'est pas très normalisé. C'est-à-dire chaque serveur FTP, effectivement, c'est un petit peu ces règles. Il faut créer des comptes à chaque fois. C'est des comptes qui sont, si on réagit pas tout de suite, c'est des comptes qui peuvent être détruits au bout d'une dizaine de jours. Donc c'est pas En forcément fait, si on pérenne. fait simple, on a Dropbox FTP, Dropbox qui est très user-friendly, Tout par à fait. contre, on n'a pas de maîtrise d'information. Aucune maîtrise d'information. Alors que le FTP, là, la Assez. société peut facilement mettre en place un service de FTP. Par contre, on n'a plus ce côté user-friendly. Ah non, c'est plus du tout un freiné. Et puis souvent, les FTP vont être plutôt pour un user vis-à-vis d'un user, ou une société vis-à-vis d'un individu, et non pas plusieurs. Donc pour le partage de fichiers, un FTP est bien 1-1, c'est NAM un peu moins. Je suis même pas sûr qu'il y ait un client FTP pour tablette, pour iPad, pour Android. Je sais Ça doit pas. certainement Ça doit exister, ça. exister. Ou au pire, s'il n'y a pas de client FTP, on se connecte au site web et puis on récupère quand même sur le site web. Mais bon, c'est une logique peut-être ancienne. Hein. FTP, ça vient du monde Linux. Hein. C'est quelque chose qui a un petit peu disparu, ou même si Linux est toujours présent. Et je pense qu'on peut imaginer un petit peu des solutions, surtout plus simples d'usage. C'est ça qui est important. Donc effectivement, l'idée, c'est de supprimer un peu les silos d'information. Pourquoi? Parce que si on a plusieurs endroits, style Dropbox, style un document qu'on a dans la société. C'est un peu dommage d'avoir un document à deux endroits, parce que il vit. Alors Dropbox, on peut peut-être le partager, effectivement. On met tout sur Dropbox, on partage tout. Mais c'est le même document qu'on a à la société, c'est plus la même version. Donc bon, Mais c'est. alors, ceci dit, c'est vrai que je suis le premier à le faire, c'est-à-dire que j'ai mes documents sur mon PC et j'en fais toujours une copie. Donc, la majeure partie du temps, j'en fais une copie sur nos partages de fichiers. Mais il n'empêche que du coup, j'ai quand même bien deux versions de Il y a documents. deux versions, ça c'est deux fois plus d'espace. Alors même si un portable, bon, il y a un peu d'espace, et puis des fois on oublie, et le jour où ça pète, c'est le jour où on a oublié. Voilà, pas de chance, hein, c'est toujours un petit peu comme ça. Donc effectivement, quand on dit il n'y a pas besoin de migration, il n'y a pas besoin d'avoir cette contrainte, effectivement, de toujours recopier. Et puis surtout la sécurité. Je pense que c'est important quand même. Alors on insiste un petit peu là-dessus, mais je pense que c'est important quand même d'insister. Il faut être sûr que les documents ils soient bien partagés avec les bons interlocuteurs. On ouvre un accès Dropbox, et puis souvent on l'ouvre, on oublie de le fermer, on oublie qu'à un moment donné, il n'y a peut-être plus lieu d'avoir cet accès, et souvent on le laisse vivre comme ça. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Alors même si tout n'est pas du confidentiel secret société, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes et puis qu'on n'a pas lieu de partager, même si ce n'est pas forcément confidentiel. Ce que veulent les utilisateurs, tout à l'heure Thomas en parlait, c'est effectivement avoir une interface qui est intuitive, un peu plus intuitive que sur un site FTP, pour pouvoir effectivement adopter quelque chose d'immédiat. C'est important effectivement le look and feel, hein, c'est quelque chose qui fait qu'une solution, on s'en sert rapidement, si elle est simple d'usage, si elle est accessible de par tous nos devices, hein, que ce soit les PC, que ce soit les différentes tablettes, Surface ou autres, hein, ou iPad, si c'est toujours à peu près le même look and feel, c'est plus facile d'utiliser effectivement
une interface. Et c'est d'autant plus important que ici, ce qui fait le succès d'un OneDrive, d'un Dropbox ou autre, c'est cette simplicité d'usage, ce look and feel qu'on retrouve Qu'on sur tous les reconnaît, devices, ouais, qu'on reconnaît tout qu'on à l'heure. reconnaît. Si jamais on met en place un nouveau service au niveau de l'IT de File Sync and Share, l'adoption de ce projet, le succès de ce projet va être vraiment dépendant, de l'adoption de cet outil par les utilisateurs. Ah oui, Donc, d'autant si on plus met que. en place un outil qui n'est pas vraiment user-friendly, pas simple à prendre en main, Il y aura un eh refus, bien, un rejet. il y aura Il un y aura un rejet de rejet. l'utilisateur et un échec au final du projet. Tout à fait. Et on peut le comprendre parce que autant de temps en temps l'informatique peut être séparée un petit peu des utilisateurs, c'est ce qui a été reproché à une époque à l'IT hein, en particulier, autant là les gens ont goûté à autre chose. Donc s'ils ont goûté à autre chose et qu'on leur amène quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, ils accepteront pas. Et même si le projet se fait, bah, finalement on verra que notre cloud privé il grossit pas et alors que le cloud public lui continuera à grossir. On l'a dit, hein, c'est le look and feel, c'est que les documents doivent être partagés de manière simple, donc il faut quand même amener une sécurité, hein, il faut amener une sécurité, alors une sécurité assez fine, on peut encore aller plus loin dans la finesse, mais néanmoins ce qui est important, c'est qu'un document il soit en lecture, en écriture, ou en lecture seule, ou avec une permission d'accès offline, ou simplement une visibilité, pas d'accès de copie, par exemple, ou tout simplement un droit. Tout à l'heure, on l'a dit sur le site FTP, des fois, on limite l'accès à un document avec une durée. Ben là, c'est pareil. Il faut pouvoir effectivement lire ce document. Il est accessible, mais pendant une durée. On n'est pas obligé d'avoir la durée la plus longue. Ici, là, la gestion fine des droits, c'est vrai qu'on a mis le minimum syndical pour couvrir un petit peu la Voilà. majorité des solutions. C'est là où on va retrouver quand même des différences entre les différents acteurs de ce marché, où certains ne vont proposer que ces trois modes, et d'autres vont même aller jusqu'à interdiction de pouvoir le copier, interdiction de pouvoir l'imprimer. Enfin, ils vont aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin Oui, il y dans la a gestion des droits. tout à fait la gestion des droits, ça c'est ce qui est commun, notamment aux solutions qu'on propose, mais ça peut aller beaucoup plus loin, effectivement, à ce niveau-là. Bon, un partage sécurité via un lien, effectivement, de temps en temps, ben, on donne l'accès à un lien, mais pendant une période, et après on veut que ce lien ne soit plus accessible. Et puis l'expérience, elle doit être transparente pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'on soit en interne, qu'on soit en externe, il faut que ça soit la même chose, c'est-à-dire qu'on puisse accéder aux fichiers, qu'on ait le même local. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter une solution Data Anywhere. Alors, c'est une solution de l'éditeur Varonis. Varonis est un éditeur assez connu dans le monde des fichiers. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse au monde des fichiers, notamment qui base l'accès des fichiers sur tout ce qui est AD, avec une solution comme Data Advantage. Là, on vous C'est parlait de. Oui. véritablement Varonis, une solution orientée sécurité pour Oui. maîtriser l'accès à ces fichiers. Tout à fait, puisque DataVantage, notamment, c'est une solution qui fait beaucoup d'audits à travers un fichier, qui est très intéressante. Alors, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais on en dit deux mots quand même, qui permet, par exemple, une fois que vous l'utilisez chez vous, de savoir qui accède à quel fichier et quand. Qui a détruit quel fichier, quelles ont été les permissions, etc. Parce que finalement, quand on utilise des fichiers, ben, c'est un peu pareil. Hein, on donne des droits, et puis une personne, ben, change du service marketing au service RH, ou encore pire, du service RH au service marketing, et puis elle continue à conserver ses droits et avoir les accès sur les fichiers. Data Advantage vous permet de faire un auditing réel de toute l'utilisation qui est faite sur les fichiers. Une personne part ou annonce son départ d'une société. On peut voir effectivement si elle a fait un accès massif, par exemple, à un certain nombre de fichiers, ce qui pourrait faire penser qu'elle utilise une partie des fichiers sociétés et qu'elle les emporte avec elle. Donc, pour vous parler de Data Anywhere. Data Anywhere, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est l'accès des données bah, de n'importe où. De n'importe où, ça veut dire bah, de son PC local, puisqu'on peut travailler effectivement à partir de son PC local, d'un PC de type portable, ou de device de type téléphone ou smartphone ou tablette. Alors ça couvre effectivement tout ce qui est Windows, Mac, et puis les différents clients mobiles connus actuellement, Android, iOS et Windows Phone. C'est une solution qui est assez simple. Quelle est l'idée? C'est de dire, voilà, moi j'ai un serveur SMB CIFS, hein, donc en termes de protocole, c'est le seul accès qui est permis effectivement par Data Anywhere. Donc vous avez votre serveur NAS, vous avez des serveurs de fichiers Windows ou un Linux avec une émulation SMB. Et vous avez effectivement l'accès à travers HTTPS de tous ces fichiers
en fonction des règles de nos, enfin, en fonction des règles et des droits qui sont associés dans l'AD. Ça s'appuie sur l'AD. Donc la sécurité qui est prise en compte, c'est tout ce qui est AD. C'est-à-dire, si j'ai droit à un fichier quand je suis dans la société, j'ai les mêmes droits quand je suis à l'extérieur. Puisque finalement, l'identification et l'authentification, ça sera à travers l'AD. Par contre, quand on partage un document, on peut le partager avec des personnes qui ne sont pas dans l'Active Directory, Tout à fait, on à peut. partir du moment où une personne de l'Active Directory leur a donné, temporairement cet accès. Tout à fait, il faut qu'une personne effectivement donne cet accès, un accès extérieur sur un fichier. Mais de base, effectivement, les utilisateurs classiques, c'est-à-dire les utilisateurs de société, ils héritent des droits qu'ils ont dans l'AD, ni plus ni moins. Après, c'est effectivement quand on crée un partage particulier, on le crée à travers un lien et on donne des accès particuliers. Donc là, en termes d'architecture, on est sur, en gros, sur une ou deux machines virtuelles qui vont jouer le rôle de un peu de reverse proxy entre le monde HTTP vers Internet et le monde SMB CIFS vers les ressources de fichiers internes. Tout à fait. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le sujet, donc ça fonctionne comment? Ben on vous l'a dit, hein, c'est vraiment un Dropbox-like, hein, ou un Google Drive ou OneDrive, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est intégré dans Windows ou c'est intégré à travers le Mac Finder, donc à travers l'interface explorateur du Mac. On a vraiment le même accès que l'on a sur son poste de travail classique. Donc c'est ce qui rend la solution assez intéressante d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de look and feel, on est vraiment sur le même monde à chaque fois. Et effectivement, les utilisateurs, ben, ils ont la possibilité de synchroniser leur répertoire personnel existant. Donc, on peut avoir cet aspect aussi, tout à l'heure, Thomas en parlait, un petit peu de la sauvegarde, finalement, de son PC. Tout ce qu'on a en local, on peut effectivement faire des synchronisations. On est sûr qu'effectivement, tous ces documents sont partagés et sont sauvegardés. Donc en fait, on a nos fichiers en local sur notre PC. On peut les synchroniser au travers du service Varonis Data Anywhere, ce qui nous permet d'avoir une copie dans le data center de nos Ouais. fichiers, avec des systèmes aussi de versionning, si jamais on veut avoir du Si vous voulez avoir un versionning. nouveau renseignement, hein. On peut conserver du coup comme ça un historique de modification de fichiers. Et à chaque fois qu'on va vouloir modifier un document, automatiquement, on va pouvoir aller créer une nouvelle version dans ce répertoire du data center pour conserver toujours une copie à jour de nos données. Tout à fait. Elles vont pas forcément être systématiquement poussées sur l'ensemble des devices, Non. c'est-à-dire que ce sera accessible si je me trompe pas, Tout à fait. mais pas forcément envoyé Non, sur tous les devices. il n'y aura pas d'envoi en tant que tel, en fait. C'est l'accessibilité. C'est-à-dire, aussitôt qu'on aura besoin, effectivement, de fichier, si on en a les droits, on pourra, effectivement, le prendre et le mettre, pourquoi pas le positionner sur son device, mais comme si qu'on travaillait, finalement, sur son explorateur avec un drive distant. D'accord. Voilà. Deuxième possibilité, donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est le Secure File Sharing, c'est-à-dire de pouvoir partager, finalement, des fichiers avec le monde extérieur. Alors, le monde extérieur, ça peut être des clients pour une société commerciale, ça peut être des partenaires, effectivement, qui veulent se partager un fichier commun, une documentation, un datasheet. Et effectivement, il y aura un envoi d'un petit code PIN qui sera fait pour vérifier que l'accès au lien est bien référencé avec la bonne personne. Avec une notion de date d'expiration, donc ça, effectivement, on parlait tout à l'heure des droits communs, enfin de tout ce qui était commun en tant que permission. Là, il y aura des dates d'expiration qui peuvent être définies sur un lien, ce qui évitera effectivement que le document il soit toujours lisible. Donc, si on résume un petit peu les différentes caractéristiques qui sont propres à cette solution, donc effectivement, les utilisateurs ils peuvent synchroniser les données auxquelles ils ont accès, c'est-à-dire toujours une notion de permission. Deux facteurs d'authentification, c'est effectivement une facture d'authentification classique, hein, mais finalement basée sur l'AD, la fin. Bon, après, c'est un petit peu anecdotique, mais c'est intéressant quand même de le citer. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, il y a le même système d'accès. C'est-à-dire si on tente plusieurs fois et que si c'est pas bon, bah, il y a effectivement un blocage qui se fera. Et il y a aussi une audit et une désactivation des liens partagés. Alors, on peut même avoir, si la société utilise le logiciel Data Advantage, on peut même avoir un audit particulier sur l'utilisation qui est faite de ce partage de fichiers à travers la solution Data Anywhere. Donc, on C'est-à-dire, pourrait avoir des rapports générés par DataAdvantage tout à fait, concernant la partie, voilà, l'utilisation, la publication de fichiers au tout à travers de fait, Data Anywhere. tout à fait. Ce qui peut être un plus, et effectivement, ce qui permet aussi de voir un petit peu l'usage qu'on a fait et réellement de voir, effectivement, ce pourquoi ça sert. Bon, donc, on l'a vu, effectivement, ça couvre, effectivement, tous les PC et tous les OS. Particulier et mobile, hein, des devices mobiles. On peut même aussi désactiver, supprimer des appareils à distance, ce qui évite que, effectivement, pourquoi pas, ben, les gens, par exemple, ils ont
des iPhones qu'ils utilisent à titre privé ou professionnel, ben on peut effectivement leur permettre ou pas l'accès réellement Donc là, on sur est leur limite iPhone. dans le marché du MDM, du Mobile Device Management, où Tout on à est fait. capable de contrôler à distance Ça. les données qui sont conservées sur Tout les à fait. mobiles. Tout à fait. Mais il y a d'autres produits effectivement qui permettent de le faire aussi. Comme AirWatch de VMware, par exemple, mais c'est vrai que là, on a un petit recoupement, hein, Voilà, il y a un petit avec certaines recoupement. fonctionnalités Voilà. des... Mais ça reste quand même quelque chose d'assez sommaire, mais qui permet effectivement de dire je prends, je ne prends pas. Bon, en termes de customisation, d'intégration, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, on peut développer un client différent, c'est-à-dire on peut changer un peu le look and feel si on avait un souhait particulier par rapport à la solution. Quelques interfaces, donc j'ai indiqué deux, trois slides qui permettent de voir un petit peu le look que ça peut avoir. Cette première interface permet de voir effectivement comment ça se passe quand on a fait une synchronisation dite full, c'est-à-dire qu'on a stocké sur un disque local les données qui sont effectivement à distance. C'est-à-dire que là, il existe deux jeux, mais qui sont synchronisés. Donc on a effectivement cette petite icône qui permet de dire le document est aussi sur mon poste de travail et non pas simplement à distance. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le stub mode, c'est-à-dire que là, le fichier n'existe qu'à un seul endroit. Donc ça peut être très intéressant de dire, ça évite effectivement la profusion de versions ou de documents différents. C'est-à-dire on a effectivement cette petite flèche qui indique que finalement, on va aller faire chercher le document à distance. Donc il y a une seule arborescence et on est sûr que c'est celle qui est utilisée. Donc là, ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de laisser l'utilisateur décider des répertoires qu'il veut ou non synchroniser en local sur son device. Et typiquement, un répertoire concernant un projet sur lequel il est actuellement actif et il veut en permanence pouvoir accéder localement à l'information, il le synchronise. Et les répertoires sur lesquels, qui concernent des projets sur lesquels il n'est plus actif pour le moment, Par peut exemple, les désynchroniser, enfin les désynchroniser, avoir toujours l'accès aux informations, mais laisser seulement une copie dans le data center de ces Tout informations. à fait, parce qu'effectivement, bah, sur les disques, sur les PC nomades que l'on a, on n'a pas non plus des disques qui sont trop gros, donc ça évite effectivement d'avoir à chaque fois cette copie qui peut être utilisée. Là, c'est une interface pour montrer un petit peu quand on crée un lien. Hein, quand on crée un lien, qu'est-ce qui se passe? Donc, effectivement, on avait parlé de notion de mode, donc private ou public. Ça veut dire que private, ben, effectivement, on le référence à quelques utilisateurs. Donc, on enverra effectivement un mail pour dire, voilà, vous avez cet accès et vous cliquerez dessus. Ou simplement public, c'est reçu une société qui veut ouvrir un lien, pourquoi pas à travers Facebook ou autre, à toute la population souhaitée. Toujours avec cette notion, effectivement, de pouvoir donner une rétention au fichier. Donc Data Advantage, on a vu un petit peu à quoi ça correspondait. Donc pour l'utilisateur, c'est vraiment ce qui est accès aux données à travers tous les terminaux et tous les devices qu'il puisse posséder, aussi bien smartphone que PC. Contrairement à Riverbed, tout à l'heure je suis un peu passé vite là-dessus, mais je peux peut-être en dire un mot. Sur Riverbed, par contre, la politique de Riverbed, c'est ne pas ouvrir pour l'instant l'accès aux données de type smartphone, aux devices de type smartphone, pour pouvoir, pourquoi pas, installer un stylet mobile. Donc sur Riverbed est de dire tout simplement, si on utilise un smartphone, il y a quand même très peu de cache, on a très peu de disques durs ou de cartes internes à l'intérieur, donc on ne pourrait pas faire cette notion d'accélération réseau que l'on fait à travers les PC ou les nomades. Donc c'est pour ça que pour l'instant, ils ne répondent pas à ce besoin. Et au-delà de ça, les applications aujourd'hui depuis les smartphones sont beaucoup des applications soit web, soit des applis à installer sur les smartphones qui fonctionnent beaucoup par le biais de, par exemple, d'XML. Et sur lequel l'accélération, au final, il y a assez peu d'échanges de données, d'échanges d'informations. Donc l'accélération en elle-même, le gain obtenu avec cette accélération ne justifierait pas forcément l'investissement sur un produit à déployer sur l'ensemble des smartphones. Mais Data Anywhere, effectivement, lui répond bien à ce type de besoin, c'est-à-dire à partir des PC, à travers des smartphones aussi. Pour l'IT, qu'est-ce que ça amène? Ben, ça supprime quand même Dropbox ou tous les outils qui sont non sécurisés à côté, et c'est pas négligeable. C'est une solution qui est assez simple à déployer. Tout à l'heure, on parlait de POC pour Riverbed, là, c'est encore un POC un peu plus light, hein, effectivement. Au final, en termes de déploiement, c'est une ou deux machines virtuelles dans le data center, Tout hein, à fait. et ensuite un package MSI qu'on peut déployer par GPO sur l'ensemble de Tout ces à PC fait, sur portables. l'ensemble de ces PC portables ou devices, ce qui permet d'effectivement, et comme on s'appuie sur l'infrastructure, il n'y a pas besoin de recopier l'information à un deuxième endroit, on s'appuie vraiment sur l'infrastructure NAS ou Filer que l'on a, donc
Ça se déploie assez facilement. Ça s'appuie sur l'AD, sur la sécurité. Alors, certains pourront dire c'est limité, mais c'est bien une solution qui se fait en entreprise. Hein. Donc, l'AD, ben, c'est quand même toute la politique, les permissions que l'on doit. Donc, c'est pas mal. Ça supporte CIFS. Voilà. Ça ne supporte pas ni de monde cloud en tant que tel, ni de monde NFS. La deuxième solution qu'on souhaitait vous présenter, c'est une solution CTERA. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, CTERA, c'est un petit peu plus vaste, hein, finalement, que la solution Data Anywhere, puisque ça répond à des solutions de File Seek and Share, mais aussi de solutions de site distant. On va le voir ensemble. Donc, effectivement, CTERA, il y a trois objectifs. Il y a tout ce qui est portal, tout ce qui est agent sur les PC portables et sur les mobiles, et puis aussi des solutions de type gateway avec des appliances qui peuvent être mis effectivement sur le site distant afin de pouvoir avoir une copie d'information, voire une recopie dans le cloud. Ce qui est obligatoire d'acheter entre guillemets, si tu m'arrêtes si je me trompe, Oui. mais le portail, lui, on en a besoin pour construire la solution, etc. On en a besoin puisque ça s'appuie là-dessus, effectivement. Et ensuite, on peut déployer des gateways, ou on peut déployer des agents, ou on Ou peut un mix déployer des les deux. deux, Ou un finalement. mix des deux. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse sur le File Sync and Share, c'est simplement la partie portail, bien sûr, mais la partie agent. On n'aura pas besoin forcément de gateway distante. On verra par contre quand on a des sites distants sur lesquels, pour faire une similitude avec Riverbed, on souhaite avoir par exemple un petit espace que l'on recopie et que l'on puisse utiliser. On a cette notion de gateway qui peut être intéressante. Donc, effectivement, tout ce qui est CTERA, les cas d'usage classiques, c'est File Server et Branch Office, donc les sites distants. Les notions de File Sync and Share, donc ce qui répond un petit peu à ce similaire. Endpoint Backup, puisqu'on le verra aussi, CTERA, du coup, a une solution de backup intégrée, ce qui peut être intéressant sur des sites distants aussi, quand les gens ont effectivement un certain nombre de choses. De cas de VDI, on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, ou de Software Defined et Cloud Storage, si ça peut avoir un intérêt, puisqu'effectivement, la solution, on va le voir, peut s'intégrer avec le cloud. Contrairement à Data Anywhere qui restait un cloud interne, là on pourrait très bien effectivement avoir une partie cloud externe qui se couplerait. Alors, quand on parle de modernisation des sites distants, bah, effectivement le classique c'est les mêmes problématiques qu'on avait avec Riverbed, c'est-à-dire sur les sites distants on a effectivement une solution de backup à mettre en place, ce qu'ils appellent Tape Replacement. On a une solution de type NAS ou serveur de fichiers à mettre en place, donc c'est une solution quand même à administrer qui est pas toujours facile. Et l'idée de CTERA, c'est de dire, ben, on vous remplace ça, soit par une gateway, tout simplement, qui permettra de faire usage et qui est là aussi pour faire la synchronisation du NAS entre un central et le distant, et puis pour remplacer les solutions de backup. Donc, quand ils disent all-in-one, c'est intégrité de NAS, backup et déduplication, c'est effectivement à travers une solution de type gateway. C'est pas simplement avec l'agent File Sync and Share. L'agent File Sync and Share, effectivement, l'idée, c'est de partager des documents à travers, donc, CTERA, entre différents sites distants, si les gens ont des petites solutions, sur des PC, sur des nomades, sur des devices, effectivement. On a, effectivement, le partage, donc, le même type de partage que l'on peut avoir à travers Data Anywhere ou à travers CTERA. Même type d'OS, hein, donc, la couverture, toutes les solutions File Sync and Share, de toute façon, ont la nécessité de couvrir les différents OS. Une particularité, c'est Linux. CTERA peut effectivement couvrir aussi le monde Linux que ne couvrait pas forcément le Data Anywhere. Alors, par contre, juste Oui. si j'ai bien compris ce que tu disais, ça c'est avec l'agent, Ça, c'est la partie agent, oui. et ça c'est la partie appliance, Ça, c'est gateway. la partie appliance ou gateway, effectivement, ou cloud. C'est-à-dire qu'on aurait une nécessité, soit une gateway, effectivement, qui est en synchronisation avec une gateway sur un site principal, soit une gateway, tout simplement, et qui enverrait dans le cloud. Ok, mais par contre, dans le cloud, avec les problèmes qu'on connaît du cloud. Ah ben là, effectivement, puisque finalement, après, alors, les problèmes qu'on connaît du cloud, effectivement et non, c'est-à-dire que autant les problèmes qu'on connaît du cloud actuellement, c'est des clouds sur Amazon, c'est ce genre de choses, mais là, on peut très bien avoir un cloud dans une société qui ferait de l'hébergement et qui vous garantirait une certaine sécurité. C'est pas les clouds privés que l'on a forcément dans le monde actuel. Voilà. On pourrait travailler avec des sociétés comme Orange, avec MTI sur le cloud, ou ce genre de choses. C'est un provider qui vous permet effectivement d'avoir Qui peut vous garantir les SLA, et puis en sachant voilà. que. Qui garantit les SLA, qui garantit une certaine sécurité qui n'est pas forcément la même que sur Amazon. Mais en sachant de toute façon que la solution CTERA va vous chiffrer l'ensemble des données avant de les déposer.
vers le cloud. Tout à fait. Il y a un chiffrement, donc effectivement, il y a des chiffrements et des clés associées qui amèneront quand même une certaine sécurité. Sécurité. Voilà. Donc OK. c'est effectivement, c'est basé sur AES, hein, comme toutes les solutions d'encryption à l'heure actuelle. La troisième fonctionnalité, c'est la partie backup, effectivement, quand on a effectivement des données qui sont sur les sites distants, hein, tout ce qui est robot, c'est de permettre d'avoir un backup effectivement intégré directement avec la solution. Ce qui veut dire, par exemple, quand on a une gateway, par exemple, en local, on aurait un premier backup qui se ferait sur la gateway et après, pourquoi pas dans le cloud. Ou alors en synchronisation avec le site principal. Il y a deux possibilités qui peuvent se faire. Bon, donc backup, j'en ai parlé un petit peu, hein, direct to cloud ou in cloud directement, c'est-à-dire qu'on pourrait directement backuper effectivement dans le cloud. Alors avec les classiques, hein, puisqu'on s'appuie sur ben, les OpenStack, les Amazon Web Services, etc. C'est ça, en fait, ça peut être soit un fournisseur de cloud, soit, comme c'est marqué ici, un fournisseur ou une infrastructure stockage d'objets que l'entreprise aurait chez elle, Tout à fait. Et dans ce si elle a cas-là, c'est les volumes justifiant l'investissement sur un object storage. voilà, parce qu'effectivement, moi, Cetera, effectivement, tout à l'heure, on parlait de Data Anywhere qui fonctionnait dans le monde SMB. Cetera, soit vous travaillez dans le monde NFS, donc NAS, jusqu'à 50 Tera, c'est la limite un petit peu qui est donnée par le constructeur et on peut le comprendre. On a des accès tout à fait raisonnables. Après, il faut mieux travailler effectivement dans le mode objet. Dans cela, on a des solutions style Atmos, etc. Donc, ils sont soit chez les providers, soit tout simplement en interne dans l'entreprise. Là, pour le coup, on a des prix au giga qui peuvent devenir très Ah ben, compétitifs tout sur à de l'object fait. storage. Tout à fait. Sur l'object storage, si on a un volume quand même de données qui commence à être intéressant, donc on parlait de 50 pour la limite, mais si on est à 80, 100 Tera, effectivement, le cloud privé peut être une bonne réponse et tout aussi peu cher que le cloud public finalement. Et avec une maîtrise quand même Plus qui est forte. beaucoup plus forte. Donc ça, c'était un petit peu résumé de toute l'architecture Cetera. Donc on le rappelle, soit des gateways, ça répond pas forcément au file sync and share de base, mais c'est pour avoir effectivement sur des sites distants des petites plateformes NAS qui vont être synchronisées avec le local. Et puis après, tout ce qui est agent, finalement, pour tout ce qui est device mobile. Alors, un look and feel un petit peu différent, mais bon, on retrouve un petit peu le look and feel qu'on peut avoir sur Windows, hein, sur tout ce qui est partage de fichiers, avec quelques icônes qui peuvent être particulières en fonction des besoins. Pareil, un petit peu la même similitude, on peut créer des liens pour un accès public et donner là aussi une date d'expiration pour pouvoir donner la permission, sachant que l'accès public, on peut le mettre en read-only ou on peut le mettre en read-and-write suivant ce qu'on souhaite effectivement partager. Une autre interface qui permet de regarder par contre en accès classique ce qu'on peut donner comme droit. Hein, donc on est toujours un peu pareil, c'est read-only, read-write ou aucun droit. C'est-à-dire qu'il y aura juste un droit de juste avoir le fichier, de pas le. On le voit, mais c'est tout. Et on ne pourra pas le mettre en local sur notre device. Pardon. Donc. Cette solution, elle répond à quoi? Alors, par rapport à tout ce qui était vu sur le File Sync and Share, c'est accès toujours pareil. L'utilisateur, ce qu'il souhaite, c'est avoir un accès le plus simple possible et le plus similaire possible à travers tous ses devices, que ce soit des smartphones, des tablettes ou des PC. La solution, elle répond à ce type d'accès. Hein, elle permet aussi d'accélérer l'accès aux données. Elle permet de centraliser les données utilisateurs. Donc, ça, c'est vraiment le File Sync and Share. Il y a une notion de copie et de versionning des fichiers. Et alors, pareil, on l'a dit tout à l'heure, on est sur une notion de backup, donc on peut avoir effectivement différentes solutions, et c'est backupé, c'est sauvegardé, c'est un intérêt quand même qui peut être concret. C'est ça, par rapport à Data Data Anywhere qu'on Anywhere, a tout vu à fait. juste avant, Il n'y a pas cette partie sauvegarde. alors qu'ici la notion de sauvegarde des données est vraiment très présente, Tout à fait, tout à dans fait. la solution. À l'origine, le produit Cetera, c'était vraiment ça. C'était pas forcément le partage de données, mais c'était sur les sites distants d'avoir effectivement cette sauvegarde de données et de donner la possibilité d'avoir aux utilisateurs l'accès aux données. Et bien entendu, ce qui est quand même aussi ce qu'on souhaite dans un projet de mobilité, ça supprime un petit peu les Dropbox ou les outils de même type. Donc là, si on fait un petit peu une synthèse avant de passer au licensing, que ce soit pour Data Anywhere ou pour Cetera, avec les solutions de File Sync and Share, l'utilisateur récupère
un environnement dans lequel il peut partager facilement de l'information, passer d'un PC portable à une tablette, à un smartphone, en retrouvant exactement les mêmes fichiers, hein, qui retrouve cette facilité d'usage, ce look and feel qui est user-friendly. Et du point de vue de l'IT, au-delà de répondre à des attentes de l'utilisateur, il récupère aussi un petit peu la main La sur maîtrise. les données des utilisateurs qui sont synchronisées entre les différents devices, mais aussi synchronisées en totalité sur le data center. Tout à fait. Donc il y a une maîtrise des données, c'est-à-dire elles sont, c'est des données d'entreprise. Donc les données d'entreprise, il faut qu'elles soient dans l'entreprise. Après, on peut avoir une externalisation qui se fait, mais du moins, il faut qu'on en ait la maîtrise, c'est-à-dire qu'on sache effectivement où elles sont, qu'on sache les sauvegarder. C'est important. La notion de sauvegarde reste réelle, parce que finalement, on a l'impression que dans le cloud, tout est sauvegardé. Ben, pas Pas forcément. Pas forcément. forcément. Là, on n'a plus des données qui sont dispersées, dispatchées sur plein de PC portables ou autres devices. Ils le sont. Ils le La sont. donnée est accessible, L'accès est là. mais toutes les données sont bien centralisées dans le data center. Tout à fait. Et alors, le licensing, il y a des grosses différences entre les solutions de Fixing Alors, Can Share? y a certaines différences effectivement entre les solutions de Fakis et Canshare. Sur les deux solutions qu'on vous a présentées, que ce soit Data Anywhere ou etc., ce qui importe, c'est le nombre d'utilisateurs qui accèdent au service. Alors, ce qui veut dire qu'effectivement, bah, est-ce que tous les utilisateurs ont besoin d'une société ont besoin d'accès au service? C'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est à vous de définir un petit peu ce qu'il en est. Les externes ne sont pas comptabilisés. Ce qu'on appelle externe, c'est les gens à qui on envoie effectivement un fichier de type public ou privé, c'est-à-dire limité à deux, trois utilisateurs, mais qui ne font pas partie de la société. Bon. Mais d'autres solutions que vous vous apprenez à présenter n'ont pas tout à fait la même logique. C'est-à-dire, certaines solutions s'appuient effectivement sur les téraoctets que l'on va vouloir partager. Ce qui veut dire que, ben, effectivement, ça peut grossir parce qu'on ne sait pas forcément définir qu'est-ce qu'on veut réellement partager. C'est plus difficile de maîtriser le nombre de téra que le nombre d'utilisateurs dans une société. A priori, c'est mieux connu. C'est effectivement plus Ben, simple de définir le nombre d'abonnés qu'on cherche à avoir plutôt que la manière dont ils vont utiliser le service. tout à fait. Ok, ben merci Jean-François. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez soit nous envoyer un mail en répondant au mail qui a servi à vous envoyer les invitations, à savoir damien.webinar@mti.com. Sachez qu'on peut vous faire des présentations et des démos de ces solutions dans notre showroom. On a tout le matériel disponible dans notre showroom ici à Croissy-sur-Seine, dans le 78. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous retrouverez également sur Internet un arbre de décision sous forme un petit peu d'une infographie que notre équipe marketing a créée pour, en fonction de vos besoins, en fonction des cibles applicatives, des cibles de device que vous avez dans votre projet de mobilité, et bien déterminer quelle est la solution la plus appropriée entre une approche Optimization One classique pour les PC portables avec du Still and Mobile de Riverbed, ou une approche ne ciblant que le partage d'informations, le partage de fichiers avec les solutions de File Sync and Share comme Cetera ou Data Anywhere. Merci de votre attention, merci de votre participation et bonne fin de journée. On va.